Il nous envoie toujours nous entraîner. On peut savoir ce que tu fous ici, le Marquet ? Personne t'a dit que les gens de ton espèce ont rien à faire dans le coin ? Tu t'es perdu ou quoi ? Va-t'en, seuls les soldats de la garde impériale peuvent venir ici. On a autre chose à faire que de s'occuper des esclaves. Je ne comptais pas rester. Oh ! J'en crois pas mes yeux. C'est la broche de Madame Apolline que tu portes. Ah, t'es juste venu te pavaner pour montrer que t'es à son service. Et dire que Madame Apolline a refusé notre protection. On me fera pas croire que ce Marquet est aussi bon au combat que nos gars. Tu sais que tu viens de me donner une idée ? Dis-moi, le Marquet, tu veux pas nous montrer ce que tu vaux au combat ? Pourquoi nous battre ? Ah, tu réponds. Tu sais que nous sommes des gardes consciencieux. Nous devons nous assurer que les employés de Madame Apolline veillent à sa sécurité. Bien. Vous ne me laissez pas le choix. Ah ! Eh, je préfère te prévenir. Je vais pas y aller de main morte. Essaie donc de tout donner aussi. Prends le temps nécessaire pour te préparer. J'aime autant que t'évites de raconter que je t'ai pris en traître. Bon, voyons voir ce que Madame Apolline te trouve. Allez, qu'on en finisse. Ah, petit prétentieux. Très bien, tu seras pas déçu. Si tu pouvais au moins essayer de te battre comme un homme digne de ce nom. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, le Marquet. D'accord. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que tu fabriques, Léon ? Hein ? Ce type-là est vraiment aussi fort que ça. D'accord. En garde, Marquet ! Je vais te donner une bonne leçon. Il va falloir donner plus qu'avec Léon, tu sais ? On va très vite en fait. Tu vas voir. J'ai du potentiel, ça je l'admets. Puis-je m'en aller ? Incroyable ! J'ai rarement vu une telle force. Madame Apolline s'est entourée, mais ça reste un Marquet. Voilà qui écorche notre image de soldat. On ferait peut-être bien de retourner s'entraîner, parce qu'on n'a pas de quoi être fier. Sur ces bonnes paroles... Ouais, c'est ça, retourne donc travailler. J'admets que Madame Apolline est bien protégée. Tant que j'y pense, ne lui dis rien de tout ça. Elle n'apprécierait pas que tu te battes. Madame Apolline sait choisir ses employés.